Allez, 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 allez. Hop là. Tchernobyl, Tchernobyl. Bonjour à tous, le petit magicien. Et bonjour, attends, Jérôme. Je m'avance un peu. Je veux qu'on te voit hein, quand même, je suis surtout ta tête, que tu vas te décomposer. Alors, Tchernobyl, c'est la catastrophe la plus meurtrière, celle qu'on se rappelle le plus. Ça a été classé niveau 7 et c'est celle qui a eu le plus de ravages, même longtemps après. Donc c'est pour ça que celle-là, on va l'appeler Tchernobyl. C'est-à-dire que je veux, Jérôme, que tu m'emmerdes le plus possible. Je veux que, même longtemps après, que tu veux que tu m'emmerdes tout le temps. Voilà. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais tu m'écoutes quand même parce qu'il y a des protocoles. Donc, pas de soucis. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est que tu pourras, on va pas le faire maintenant parce que c'est pour gagner du temps, mais tu pourras vérifier, il n'est pas biseauté, marqué avec du scotch, du latex, des aimants, des fils, des trucs de malade. Je ne sais même pas quoi ça sert, il y en a plein qui ont des choses comme ça, je sais pas. Je te crois. Tu me crois? C'est un jeu Madison. Madison, alors il est un peu abîmé. Bon, au premier coup d'œil, il a l'air correct. Oui, voilà. Écoute-moi. Je te crois. Ce que tu as le droit de faire, pour me faire plaisir, c'est un petit mélange à la française. Comme ça, une fois que tu auras fini, ça sera bien mélangé, on pourra commencer mon tour. Donc je mélange. Un petit mélange à la française. C'est bon? Ça te convient? C'est bien. C'est déjà correct. Moi, je veux que tu me dises ça me convient et on attaque le tour. Ah non, alors ça me convient pas. N'oublie pas que c'était écrit. Hein. Je préfère faire trois mélanges. Même si je fais ça, c'est prévu. Je préfère faire trois mélanges. Tu vas en faire même quatre si tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même faire ces choses comme ça. Là. D'une tac, 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 en queue d'aronde. Le petit faro sur table. À l'indienne, ce que tu veux. Tu es d'accord avec moi que dans ces conditions, il ne peut plus avoir une carte à côté d'une autre que je puisse connaître. Attends. Il ne peut plus avoir, je ne peux plus connaître la carte du dessus, du dessous, du milieu, de droite, de la tiers, hein? Je suis d'accord, là c'est impossible. Une carte qui est à côté d'une autre, elle n'y est même plus. C'est même en faisant 3 pharos et 10 mélanges à la française, elles ne peuvent pas se retrouver. Non. Tu vas faire même... comment dire? Alors si. Mais si tu fais des pharos et t'en fais un certain nombre, ça revient à la position de oui, base. Oui, pour ça que 3 c'est bien ou... Mais c'est pour ça qu'on va arrêter là, parce que c'est sûr, là c'est mélangé. Alors tu me fais 3 petits tas. Tac, 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 et tu les mets dans l'ordre que tu veux. Dans l'ordre que j'ai envie. N'oublie pas, il y a des choses qui servent à rien dans cette histoire. Tac, donc on va dire ça là et ça là. Voilà. Est-ce qu'on est bon pour toi? On est bon pour moi. Alors, tu vas prendre le jeu, tu vas regarder les cartes, tu vas choisir une carte, tu vas la montrer au spectateur, et moi je vais me retourner, je veux que je me mette dans la position que tu as envie, comme ça, comme ça, comme ça, pour pas que tu puisses penser qu'il y a une caméra là qui parle. Tu regarderas le rideau rose. Je me mets comme ça, ça te va? Oui. Avec les mains comme ça? Oui. Donc, je me mets aux 3/4 là, c'est pour que tout le monde entende. Tu vas prendre le jeu. Est-ce qu'on est dans des bonnes conditions là, pour commencer? Ouais. Tu vas couper une partie, une petite partie, une grande partie, tu coupes. Voilà, ça. Ce que tu veux, c'est bon? T'en as suffisamment? S'il n'y en a pas assez, tu peux en rajouter? Ouais, tiens, allez, je vais en rajouter juste 2. Et s'il n'y en a pas assez, tu peux les compter, tu peux ne pas les compter, je m'en fous, c'est pas important. Ah, je les compte ou je les compte pas? Non, c'est pas important. Ok. Non, mais je veux dire, tu fais ce que tu veux, mais ça ne sert pas à mon tour. Est-ce que tout le monde te voit avec les cartes en main ou pas? Oui, je suppose. Ouais, donc tu vas... Ben ouais, voilà. Alors, je t'explique comment sont rangées les cartes, mais plus pour le spectateur que pour toi, c'est que la plus petite, c'est le 2, le 3, le 4, et la plus grande, c'est 10, valet, dame, roi, donc as. Voilà, l'as, c'est la plus grande, et jusqu'au la plus petite, c'est le 2. Okay. Donc, tu vas choisir, parmi ton jeu, soit la plus petite carte, soit la plus grande, ça m'est égal. Mais, prends la plus grande. Tu éventailles et s'il y a la plus grande des cartes que tu vois, tu peux la prendre. Et si il y en a plusieurs identiques, plus grandes, tu choisis celle que tu veux que tu veux. Voilà. J'ai compris. Je peux pas mieux dire. Oh. De toute façon, tu l'as pas encore choisi. Je peux me placer comme ça, c'est bon? Oui. Alors. Donc c'est
dans ces conditions, on est bon ou on recommence? Non, très très bien. Donc tu es d'accord que ton choix, il est vraiment libre? Oui, donc la plus, la plus grande, oui, c'est bon. T'as le choix, tu peux, tu peux choisir, bon. C'est bon. Je t'ai pas... J'ai la plus grande. Tu as la plus grande, c'est bon, tu la montres à tout le monde. Regarde pas. Je regarde pas. Ne te tourne pas, je te regarde en même temps. Je suis bouché. Oh, bien sûr, c'est celle qui dépasse, là. C'est bon? Ok, c'est bon. Tu remets la carte. Alors, je veux que ça soit net. Tu l'as en tête, tout le monde l'a mémorisé. Je l'ai en tête. Où tu veux, tu mélanges, tu coupes. Je ne puisse pas la localiser. Oh, c'est bon. Ni par estimation, ni pas... Aucun souci. Tu remets sur le tas, tu peux recouper. Ah, je peux recouper. Ouais, on est bon. Je peux me retourner? Tout à fait. Mais si je me retourne, tu penses que je peux la voir? Ah non, impossible. Bon. Je peux la mettre dedans? J'essaie de repérer quelque chose. Est-ce que tu penses que j'aurais pu... Non. Pardon, je crache. Repérer quelque chose. Tu peux toujours repérer quelque chose, mais... J'aurais pu faire tout ça dans le tourner, mais est-ce que ça a servi que je me retourne et que je fasse... Tu peux repérer quelque chose, mais quoi? Aucune idée. Je peux pas repérer ta carte, en tout cas. Non. Parce que je sais pas laquelle t'as choisi, je sais pas où elle est, je sais pas ce que t'as montré, je sais pas... Non, tout à fait. Quand je te dis tu prends les plus grandes, t'as le choix. Non, c'est impossible, c'est impossible. Suivant le mélange, les grandes elles peuvent se mettre n'importe où, donc t'as le choix. Tout à fait. Alors maintenant, à partir de maintenant, je vais faire des affirmations. Je vais pas dire, tiens, je vois une rouge, je te regarde, je vois que tu fais la gueule, boum, je change, je prends une noire. Donc je vais regarder la caméra, comme ça je te regarde pas. Mais j'aimerais bien qu'on te voit quand même un peu, pour que tu fasses un peu la gueule. Je regarde pas la caméra parce que je te vois là. Je vois, c'est des affirmations et je ferai pas en fonction de ton... Ou alors fais poker face. Ben, je me cache. Voilà. Non mais t'inquiète, je sais rester stoïque. C'est pas du rouge. Je vois une grande carte, très haute. C'est fort là. Je sais. C'est déjà... J'avoue, je t'avais dit Tchernobyl. Catastrophe, une grosse catastrophe, un truc mémorable. Alors on va y aller pas par quatre chemins, on va y aller tout droit, ça sera du noir, une grande carte, ça sera du, avec des formes rondes, comme du trèfle ou du pic, mais ça sera plus du trèfle, je vois du trèfle, je vois une grande carte noire, je vais t'achever avec, oh il y a même un chapeau sur la tête, donc c'est pas un as, ça peut être une dame ou un roi, mais je vois plus un roi de trèfle, avec affirmation. Et maintenant, je peux le regarder, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, hein? Un roi de trèfle. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh ben, c'était pas ça. Je vois du roi de trèfle. C'est bien le roi de trèfle. C'était ça? Mais ah oui. Bon, tu m'as dit un autre. J'ai eu un petit doute, j'ai dit, ah, je suis trompé ou pas? C'est bien le roi trèfle, bien vu. Tu peux prendre le jeu, tu peux l'examiner, tu peux les étaler, tu peux les regarder à la loupe, une par une, voir s'il y a toutes les cartes. Tu peux regarder... C'est ça que j'allais te poser comme question. Tu peux tout faire, Jérôme. Tu peux... Est-ce que si c'était biseauté, ça m'aurait servi? Non. Est-ce que si c'était marqué, ça m'aurait servi? Non. Radio, latex, aimant, fil... Non. Carte plus courte, parce que de la manière dont tu as fait, carte plus courte... Donc... Oui. Et en plus, tu peux regarder le jeu. Donc, c'est mon tour. Je sais pas, oui, je sais que tu fais des choses dans. Parce qu'il y a un protocole, tu penses une carte, je regarde pas et je la trouve. Je sais que tu mais fais non, ça. Mais j'avoue que t'es allé vite comparé à ce que je fais moi, puisque c'est une routine que je fais depuis des années. Il fait la même chose, mais. Mais t'as pas utilisé la même chose. Mais j'ai pas utilisé la même chose. Puisque t'es allé trop vite. Donc. C'est parce que je suis allé vite que j'ai pas utilisé. Non, c'est parce que je sais pas faire doucement. Comme tu fais toi, que j'ai choisi la version rapide. Donc ça veut dire que je peux pas examiner le jeu. Tu peux, je te le dis, tu peux l'examiner, tu peux le regarder, tu peux l'étaler. C'est la seule chose que j'ai pas faite. Tu peux. Mais tu peux. Donc alors si tu peux, c'est que c'est le même principe que moi. Alors je t'explique. c'est pas le même principe, c'est que je suis allé au light pour que faire plus facile pour moi. D'accord. Et tous les jeux truqués qui existent ne peuvent pas retrouver la carte que tu choisis. Ah, impossible. C'est une carte pensée, donc impossible. Et le pire, je suis d'accord. C'est que si tu prends ce jeu, tu l'étales, il y a toutes les cartes à l'intérieur. Toutes. Même les jokers, qui servent à rien. C'est vrai, le joker y était. Donc je suis obligé après d'aller vaste, et de... Mais je dis que des vérités. Ça veut dire que...
C'est juste pour le mettre dans une réflexion, et vous aussi. Donc, alors, je sais que je vais vous donner ma version, et que peut-être que, je pense que Jérôme, il a des versions qui pourront améliorer celle-là pour faire d'une autre façon. Ben oui, ben je te ferai la mienne, puisque je suis sûr de... Non, mais je t'ai vu faire à l'association, je t'ai filmé, donc j'ai vu, je sais ce que tu fais, mais tu l'avais pas dit, l'explication, mais je crois que te connaissant, j'ai compris. Donc je sais que tes versions vont améliorer la mienne pour pouvoir faire une grosse explication qui en est plein. Donc on va te donner ma version, ta version, et on va même donner des versions intermédiaires qui pourront aider. Moi, je trouve que ça déboîte sa race. Ah non, mais c'est très très bon. Hein. Parce que quand tu le fais, je sais que tu... J'adore ces tours, donc c'est exceptionnel. Donc il n'y a pas d'estimation, il n'y a pas de... le jeu peut être mélangé, ça n'a aucune importance. Mais ça plaît, parce que c'est ce qu'on recherche en plus. Un taux des tours, prends une carte, je veux pas la voir, je la trouve. Un petit bonjour à David, c'est ça que tu veux faire? Parce qu'on lui a fait ça hier soir au téléphone, mais pas le même tour, mais dans le même principe. Oui, oui, pas du tout le même tour même. Mais on l'a tué, donc voilà. Oui, c'est vrai, le pauvre David, là, il est dans un état. On l'a fait à Claude, on l'a fait à David, on l'a fait à plein. Voilà, ça s'appelle alors Tchernobyl. Il y aura beaucoup de routines, je pense, qu'on va vous dire. On va juste vous expliquer la base, moi, et le reste, je pense que Jérôme, il va prendre le relais. C'est beaucoup, à moins que ça soit... Pour l'instant, t'es dans le... Ben, je me dis, si on peut donner examiner le jeu, ce que là, je ne l'ai pas fait. C'est forcément le même principe que moi. Il y aura toutes les cartes à l'intérieur. Ça, c'est certain. Il y aurait, je te le montre. Hein. As de trèfle. Mm-hmm. As Joker. Mm-hmm. Joker, hein. Ça sert à rien. Non, mais déjà, il y en avait... Il y a les As, encore un Joker. Tiens, il y en a deux. Les Dames, je sais, parce que j'en avais deux. J'ai pas vu les Valets. Ah si, Valets. Valets, il y a tout. Il y a même des toutes petites, tu vois. Si tu avais choisi les petites, il y avait le 2 de trèfle. Ok. Deux de pique, ils sont tous. Ah bah alors, t'es allé hyper, hyper vite. Du boss alors. Non mais tu leur parles en cause parce que. Eh ben oui, comment veux-tu aller vite? Ouais, justement. Moi, en tout cas, je suis allé derrière, je me suis retourné, j'ai rien fait. Très fort. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt.